le Bridging Day, c'est-à-dire la passerelle entre les francophones et les anglophones, est assez intéressante parce que ça permet déjà de passer le relais, c'est-à-dire ceux qui ont été précédemment formés passent le relais à la session qui vient. Et ce qui est important, c'est ici d'avoir des idées convergentes ou bien des sujets convergents qui concernent l'Afrique. Donc, parce que ce sont des enjeux internationaux. Sur les questions d'adaptation, par exemple, c'est quoi la priorité de l'Afrique, l'agriculture, etc. Comment nous, ensemble, nous pouvons le mettre en avant en tant que cohorte de ECBI sans distinction linguistique. C'est vrai, la barrière linguistique est réelle, mais là, on a la chance, par exemple, pour ces sessions de Bridging Day, une traduction donc, qui permet de faciliter l'interaction entre les différentes parties prenantes. Le buzz du Bridging Day, vraiment, c'est la langue. En un moment, il fallait interagir face to face avec ton voisin. Et des fois, la chose brûlante, c'est qu'il y a des personnes qui ne pouvaient rien dire à cause de la langue, autant du côté francophone que du côté anglophone. Donc, le francophone parlait français, l'anglophone parlait anglais. Et puis, bon, c'était un langage de signes qu'on voyait à la fin du compte. Au début, vraiment, c'était timide la première fois qu'on l'a instauré. Mais au fil des années, on a vu les interactions s'accroître entre les participants. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au moins il puisse y avoir plus d'interactions entre les formés, aussi bien francophones qu'anglophones. Parce que quelque part, ce que nous sommes en train de créer, c'est soit une fraternité ou une génération, disons, de négociateurs pour ces pays-là. Donc, ça permet au moins de tisser des liens et de se sentir beaucoup plus fort quand ils vont rejoindre, par exemple, l'arène internationale.